Bonjour à tous, amis terriens, et bienvenue dans le périple de Gérard pour sa troisième matinée. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait pendant la nuit. Donc, j'ai terminé mon plafond. Je me suis fait un deuxième coffre à côté. Donc, j'ai mis mon verre que j'ai cuit avec le sable hier soir. J'ai rangé ma laine. Je me suis fait un petit pantalon et des petites chaussures pour avoir moins froid aux jambes et moins mal aux pieds avec le cuir des vaches. Oh, je le mets à la cuire. Je vais le mettre à cuire tout de suite d'ailleurs. Ça, c'est fait. Je vais mettre mes habits. Donc alors, je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire. Donc je compte aller ramasser les pierres pour agrandir ma baraque à fond. Pour y mettre plusieurs fours, parce que je vais avoir besoin de fours pour cuire du verre en fait, parce que je vais ramasser pas mal de verre. Je vais me faire une petite serre devant la maison pour être autonome et m'auto-alimenter sans forcément aller tuer des pauvres petits cochons qui gambadent dans la nature. Ce sera plus pratique pour moi déjà, parce que les cochons n'apparaissent pas au même endroit tous les jours. Et ça vous montrera un peu l'aspect du jeu. Un autre aspect, on va dire. Que descendre dans les bas-fonds, quoi. Il y a un petit cochon qui s'est paumé dans le trou, le pauvre. Je vais devoir lui couper la tête. Donc, je sais pas si je vais vous montrer la construction en entier, parce que bon, des fois c'est assez long, ça prend quelques jours dans le jeu. Donc c'est pas très marrant à regarder, c'est souvent assez répétitif. Donc je pense que je vais plutôt redémarrer une vidéo une fois la construction presque finie. Comme ça on la finira ensemble, je vous expliquerai un peu les choses. Et vous n'aurez rien loupé de toute manière parce que j'aurais fait que ça. Donc c'est bizarre parce que j'ai pas mal de visites la nuit, j'entends brailler à tour larigot, j'aperçois des creepers et des squelettes, mais le matin quand je sors, j'ai personne. Donc c'est bizarre, mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça nous permettra de cultiver notre petit blé tranquille. Et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir commencer à vivre la nuit, ce que je peux pas faire en ce moment parce que je n'ai pas de matériel et j'ai rien. Quand j'aurai la serre, je me ferai un accès par le sous-sol ou je sais pas. Un accès tout en verre pour y aller la nuit et travailler aussi. Parce que moi, je ne dors pas. Gérard, il est insomniaque. Ok, alors. Qu'est-ce que j'ai besoin? Je ne me rappelle plus. La pierre, du sable. J'ai un truc sauté par là-bas, là, non? Non, c'est un poulet. Donc, la pierre, j'en ai. Ah oui, c'est du sable qu'il faut que j'aille ramasser à fond. Donc, je tue les poulets pour leur plume. Pour me faire des flèches plus tard. J'aurais aussi besoin de silex, mais bon, ça, c'est pas un problème. J'en ai un paquet en bas. J'irai creuser plus tard quand j'aurai un arc. C'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis. Ouais, c'est bizarre. Franchement, c'est dommage. Parce que j'ai besoin d'araignées pour du fil là et j'en vois pas. Il faut que j'aille me balader un peu plus loin. Vous voyez, c'est assez long les constructions, je me répète un peu là, mais... Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc je vais aller consolider et agrandir ma maison encore avec vous. Ça,
ça me prend pas trop de temps, ça. Je vais me faire une petite hache. Je vais en avoir besoin. Donc, j'ai cuit du métal ce matin là. Je vais me faire un seau. Il va falloir que j'aille ramasser de l'eau pour mes cultures. Donc, ouais, il y en a qui font une épée directe quand ils ont du métal, hein. Moi, je fais un seau. Je ne fais rien comme tout le monde. Ok, c'est parti les amis. On va détruire le fruit de nos travaux. Une profondeur supplémentaire, hein, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau surface là? Je vais me faire une profondeur de champ supplémentaire. Désolé, mais je vais faire les choses correctement. Il faut quand même que j'ai assez d'espace pour pouvoir naviguer, bouger, observer, travailler. Hein? Ok. Parfait. Impeccable. Bon, maintenant, on va remodeler le tout. D'ailleurs, je vais... J'ai pas besoin de le casser ça. Désolé pour le lag. Pas besoin de le casser ça. Je vais quand même bouger un peu parce que. Combien de temps j'ai? Il est le soleil. Oh, il va déjà faire nuit. C'est dingue ça quand même. Hein. Ça passe trop vite hein, le temps dans le jeu. C'est bien, j'ai une bonne surface là. Donc moi je terminerai de faire cette maison pendant la nuit, hein, parce que bon, vous voyez, hein, je pense que ça peut être marrant pour vous à regarder. C'est pour ça que la serre, je ne filmerai pas. Je filmerai sur la fin quand je l'aurai presque fini. Ce sera plus intelligent de ma part et mieux pour vous, je pense. Que j'ai fait. Ah oui. Ok.
ça c'est impeccable. Je vais en mettre là aussi. On va combler ce. Ouais, allez. Merde, j'ai pas de terre. J'ai pas de terre. Si, j'ai de la terre. Impeccable. Impeccable. Paf. Ok, c'est parti. Donc c'est bien. Fait une bonne surface là. Je vais pouvoir réaménager tout ça correctement. La maison, je la toucherai plus hein, une fois que ça c'est fait. Oh. Excusez-moi, je vais vous mettre une torche parce que j'y vois pas grand chose. Alors j'imagine que vous voyez encore moins. Oh mais c'est la nuit, oulala, attendez, je vais fermer la porte. Voilà les petits amis, bah écoutez, moi je vais terminer tout ça, hein, faire le plafond, réaménager tout le bazar, tout le tralala. Comme ça, ensemble, on va repartir sur de bons pieds. Hein, dans de nouvelles aventures de Gérard, et moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée.